monde, bienvenue dans un autre vlog de Calou. Cette vidéo va pas être longue parce que j'ai une grippe. Je me suis réveillée à 3h du matin, puis je grelottais ma vie, puis je faisais de la fièvre. Puis là, j'ai pris des Advil, mais j'ai pas vraiment redormi depuis 3h. Mais ça fait 3-4 jours que moi j'ai la grippe. Mon mari, ça fait genre 7 jours. Là, c'est vraiment intense ici. Rubli a une infection double titre. Pas une infection, double titre. Je l'ai faite voir par la chiro hier, puis elle semble beaucoup mieux un matin. Fait que j'espère qu'on va pouvoir se sauver des antibiotiques. Mais c'est ça. Je voulais prendre le temps de vous faire une petite vidéo pour vous dire qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui s'en vient pour le Vlogmas. Et aussi annoncer un possible concours. Désolée, ma fille chiale, je ne sais pas pourquoi. J'espère qu'elle dit pas ear, j'espère qu'elle commence pas à avoir mal aux oreilles. Mais c'est ça. Fait que le Vlogmas à date, en date du 30, je pense qu'on est aujourd'hui novembre, j'en ai 7 de filmés d'avance. Après ça, là, je vais commencer à refilmer quand je vois un petit peu mieux pour continuer. Mon Vlogmas va être du 1er au 23 décembre pour pouvoir passer de 5 ma femme après. Je sais qu'il y en a qui prennent comme les fins de semaine off, mais moi, ça me dérange pas tant. C'est vraiment juste que je veux, à partir de toutes mes parties de Noël, que je sois comme pas pressée avec un vlog. Je vais sûrement en mettre entre le 23 et le 1er, mais juste peut-être pas à tous les jours. C'est ça. Dans les vlogs, vous allez voir qu'on est comme souvent malade. On est comme... Quelqu'un est enrhumé, quelqu'un est malade. Je les ai filmés en avance, puis honnêtement, la deuxième partie de novembre, ça a été ça notre vie. Tout le mois d'octobre, on était malade. Après ça, on a eu 2 semaines de répit, puis à partir de la mi-novembre, il y a toujours quelqu'un qui est malade. Fait que. C'est ça. Juste vous dire que ceux-ci sont des anciennes maladies. Mais... Fait que c'est ça. Quoi vous attendre pour le Vlogmas? À date, j'ai filmé des nouvelles recettes, des Cook With Me, j'ai filmé Old Épicerie, j'ai un Old Costco qui va être filmé la semaine prochaine quand je vais venir puis que j'y vais. Je vais aussi filmer une vidéo sur c'est quoi les cadeaux des enfants, puis nos cadeaux pour les échanges. Je vais aussi, Étienne il a dit oui pour filmer un autre vlog de journée dans sa vie. Je vais essayer de faire une journée différente que d'habitude, fait que peut-être une journée de fin de semaine. Sinon, on va sûrement faire d'autres recettes plus comme style Noël. Des day in the life, etc. Dépendamment de comment Ruby elle va aussi, elle veut pas, puis que nous on va. Oui, tu veux aller sur maman? Hein? Tu vas aller sur maman, mon maman? Coucou. Et tu fais cheese! Aïe, des trois cheese! Here? T'as-tu encore un petit peu plus beau à l'oreille? Ouais? Au moins, tu fais plus de fièvre, mon bébé. Ouais. On va donner du médicament, ok? Elle n'aime pas le médicament, fait qu'elle n'aime pas ce mot-là, mais bon. Puis sinon, je voulais juste annoncer, dans le fond, que. Je veux faire un concours, mais un petit peu différent que la dernière fois. Vu que le Vlogtube, on a déjà fait un Q&A, je m'entends pas qu'on ait plein de nouvelles questions à me poser, ça fait juste un mois. Mais je vais faire un concours différent. Donc, ma chaîne, en moyenne, j'ai environ 50 à 60 nouveaux abonnés par mois. Okay? Là, je suis rendue à genre 750 abonnés. Mon but, c'est de me rendre à 1000 abonnés en mars. Okay? Ce qui est quand même faisable, je pense. Mais je vais vous donner un petit boost. Fait que, dans le fond, ce que je vous demande, c'est de partager ma chaîne avec vos amis. Ou si, mettons, il y a une vidéo particulière que vous aimez, partagez avec vos amis. Si vous me suivez sur Instagram, quand je poste un nouveau vidéo en ligne, vous pouvez le partager là aussi. Ces genres d'affaires-là, ça va aider à faire découvrir ma chaîne par vos amis qui pourraient aussi aimer mes vlogs. Ou juste aussi de liker et de laisser des commentaires aussi, ça m'aide beaucoup sur le Vlogmas. Fait que, dans le fond, si au 1er janvier, j'atteins 850 abonnés, fait que ça, c'est, je pense que c'est à 753, c'est comme 97 abonnés d'ici le 1er janvier. Ce qui serait faisable, vu que je poste à tous les jours, veux pas, je devrais avoir un peu plus de trafic sur mon YouTube. C'est ça que c'est ce qui est arrivé pour le Vlogtube aussi. Ben, je vais faire un concours, puis à ce moment-là, je vais faire tirer une carte cadeau de 25$. Le ou la gagnante du concours va pouvoir choisir où qu'ils veulent leur carte cadeau. Que ce soit un resto, que ce soit Amazon, que ce soit
un magasin, un centre d'achat, c'est vous qui décidez. Fait que, si vous voulez, ben, probablement m'aider pour ma chaîne, mais aussi pour vous avoir une chance de gagner une carte cadeau pour la nouvelle année, aidez-moi à grandir ma chaîne pour que j'aie 850 abonnés avant le 1er janvier. Donc, j'espère que vous allez participer. Je parle vraiment du nez, je suis vraiment désolée. Fait que je vais terminer la vidéo. J'avais même dit que j'en posterais plus avant, mais là, je me suis dit, j'ai déjà 7 vlogs de filmés. Si je veux que le monde embarque pour partager ma chaîne pour me rendre à 850, je perds ces 7 jours-là comme de vlog que je peux pas dire ce message. Fait que je me suis dit, je vais faire une petite vidéo à part pour ça. Puis là, je vais aller essayer de survivre aujourd'hui. J'ai pris Advil. J'ai pris une pilule de caféine, vu que moi je bois pas de café, j'aime pas le goût. J'ai pris une pilule de caféine pour essayer d'avoir de l'énergie pour faire un peu de ménage parce que vu que ça fait comme 3 semaines que tout le monde est malade, incluant mon mari ou moi. La semaine passée, moi j'avais un rhume, là j'ai la grippe, même chose pour mon mari. La maison fait vraiment dur, genre la vaisselle est partout, le salon, il y a des jouets partout. Fait que j'essaie de me donner un petit kick pendant que j'ai comme un petit peu de répit de mes frissons, genre, pour faire du ménage. Fait que souhaitez-moi bonne chance. J'espère que vous allez me suivre dans mon sujet. Vous allez me suivre dans mon Vlogmas. Ça va être à 8h à tous les jours. Donc, vous allez pouvoir me suivre à partir de demain matin. Merci d'être là et on se voit une prochaine fois. Bye!